Bonjour et bienvenue dans F1 Life, le nouveau centre névralgique de F1 22. Un aperçu du style de vie prestigieux et séduisant du monde de la Formule 1. Ceci est votre propre espace personnalisé où vous pouvez modifier l'apparence de votre environnement, admirer vos exploits et les temps forts de votre carrière, revoir des ralentis et personnaliser l'avatar de votre pilote. Et bien évidemment, contempler votre fabuleuse collection de supercars. Voici votre centre F1 Life. D'ici, vous pouvez admirer les supercars de votre collection, visiter le showroom virtuel, contempler votre vitrine de trophées ou revoir vos temps forts sur le circuit depuis la salle de projection. Plus important encore, l'écran personnalisation vous permet de modifier votre avatar de pilote et votre environnement pour un relooking total de votre F1 Life. Vous pouvez rendre visite aux pilotes que vous croisez dans votre centre F1 Life ou à vos amis F1 22 en sélectionnant « Visiteur F1 Life ». N'oubliez pas de leur laisser un « j'aime » si ce que vous voyez vous plaît. Dans F1 Life, vous avez l'opportunité de créer un espace qui vous ressemble. D'ailleurs, c'est un peu vide tout ça. Rejoignons le showroom pour y débloquer votre toute première supercar. Voici les supercars actuellement disponibles. Utilisez vos jetons supercar pour débloquer le modèle de votre choix. Chaque jeton supercar vous permet de débloquer un véhicule. Vous venez d'obtenir votre premier jeton supercar. Utilisez-le pour débloquer la supercar de votre choix et commencez votre collection. N'oubliez pas, vous pouvez modifier à tout moment l'avatar de votre pilote depuis l'écran profil du pilote dans Personnalisation F1 Life. Vous pouvez modifier les tenues et accessoires de ville et de course de votre pilote depuis l'écran Personnalisation. Vous pouvez personnaliser votre environnement F1 Life, de la couleur des murs au style de votre mobilier. Laissez libre cours à votre imagination. Enfin, vous pouvez personnaliser le profil de votre pilote, son insigne et l'apparence de vos véhicules.